Hey, bonsoir à tous. Alors, ce soir, déjà un, je suis tout seul, c'est pas un podcast, voilà, parce que Christopher n'est pas disponible ce soir, tout simplement. Ensuite, le truc, ça sera donc, si vous avez lu le titre du stream, hein, ça sera forcément donc sur les réexpats. Alors, comme je dis, du niveau 0 au niveau 1. Surtout, déjà, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, vraiment pouvoir lire et écrire une regex simple, enfin, simple parce qu'il existe des regex extrêmement compliquées, mais on va déjà, on va s'attarder à des recherches simples et puis, comment dire, et comment les utiliser au final. Et des petits trucs et astuces. Pour potentiellement gagner du temps, voilà. Simple et efficace. Alors, voilà, tout simplement. On va commencer. Alors, le truc, c'est que je vais vous faire voir les mêmes choses sur deux langages différents. Pardon, sur deux langages différents. Donc le premier, ça sera Java et ensuite JavaScript ou vice-versa, peu importe, mais en tout cas, ça sera sur les deux langages pour voir comment les deux se comportent. Voilà. Normalement, c'est une session ce soir qui devrait être assez courte. Voilà, on ne va pas s'éterniser 1000 ans dessus. Donc voilà, une petite session toute simple. Voilà. Donc sur ce, j'inverse. Voilà, j'inverse. Donc là, c'est du JavaScript, mais on va commencer. Voilà, c'est ça que j'avais oublié de faire. C'était amener le Java. Alors, ce que vous voyez, c'est tout ça là. Ça fait référence au tout premier Twitch que j'avais donné. Donc voilà. Si, bien sûr, je suis bête. Et quelque chose de très important que j'ai oublié. Où est-ce que je l'ai déjà? C'est parce que tous les Twitch, même précédents, je les ai. Comment dire? Je les ai mis sur YouTube. Voilà. Donc c'est super important. Il faut juste que je retrouve. Parce que j'ai complètement oublié, c'est en parlant comme ça que je me suis rappelé, comme par hasard. C'est pas là. Ça vient, vous inquiétez pas. Il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, ça y est, je l'ai. Voilà. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû la copier avant, mais j'ai complètement oublié. Donc voilà, donc ça c'est la chaîne qui recense tous les Twitch que je fais. Voilà, tout simplement. Donc vous les avez tous. Alors la qualité est déplorable au niveau webcam. Mais par contre, niveau écran d'ordinateur, enfin je veux dire, écran de logiciel, tout ça, il n'y a pas de problème. C'est super lisible, c'est nickel, c'est super propre. C'est juste la caméra qui est complètement dégueulasse. Mais faut passer outre. C'est pas très grave ça. Mais de toute façon, je le dis, je le répète, à terme, je ferai une vraie chaîne YouTube. Bon, là c'est catégorisé Twitch, entre guillemets, mais où je ferai des vrais cours pour le coup. Donc je ferai des vrais cours. Donc, comme je disais, donc les regexp niveau 0. Déjà, c'est quoi? À quoi ça sert? Déjà, les trucs simples de base. Donc, une regexp, ça permet de faire des recherches dans les chaînes de caractères, dans les strings. Pourquoi, me direz-vous? Oh, il y a des tonnes et des tonnes de raisons pour faire des recherches dans les chaînes de caractères. Typiquement, vous avez un. Comment dire, vous faites une requête via une API REST quelconque, vous recevez un bloc de texte et dedans il faut faire des recherches très précises. Voilà. Et ben justement, vous n'allez pas vous amuser à
faire des recherches à la mano. Pour ça, justement, on a créé les regexp, enfin, donc les expressions régulières en français, regular expression en anglais. Et donc, le but, ça sera de faire voir comment ça marche. Donc, voilà. Donc, pour les gens qui arrivent, hein, comme je l'ai dit, je vais vous faire voir ça donc sur JavaScript et sur Java. Donc, pour le moment, je commence avec Java. Donc, voilà. Alors, comment on écrit une regex? Alors, déjà, je suis dans quoi? Donc, là, je suis dans le main. Donc, ça tombe très bien. Je suis dans le main. Et comme ça, je vais pouvoir directement attaquer bille en tête. Comment dire, la regex. Alors, comme j'ai dit, donc c'est une recherche dans une chaîne de caractères, donc dans un string. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, j'écris un string. Je sais pas. Ma phrase. Mince. Ma phrase, pardon. Qui est égale. Alors désolé, hein, parce que moi j'ai l'écran qui est là-bas en fait. Il n'est pas juste à côté, en fait, il est là-bas. Donc, si vous me voyez regarder par là, c'est normal, c'est mon écran. Donc, ma phrase. Voici ma phrase. 1, 2, 3. Toto. Voilà. Alors, avant même de rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par vous faire voir comment. Alors, c'est un peu brut de décoffrage, mais en fait, c'est ce qu'il y a de mieux pour commencer les regexp. C'est où? C'est dans Tools. Windows, pardon. Windows regexp tester. Alors, ça, c'est un utilitaire qu'on télécharge. Hein. Bon, je suis sur l'IDE NetBean. Donc, ça, c'est un utilitaire qu'on télécharge, mais il y a sur Eclipse, sur. Enfin, pour tout IDE, normalement, il y a. Et excusez-moi, je vais voilà. Et toi? Donc voilà, donc il existe pour tout type d'IDE. Et donc ça permet justement de faire des tests de regexp en temps réel. Donc c'est super pratique. Donc justement, je remets la phrase que j'ai écrite ici. Regular input. Donc c'est la phrase. Et en fait, ici, là, vous voyez justement. Mais j'ai tout expliqué, hein, faut, vous inquiétez pas. Je vais tout expliquer. Mais voilà, donc là ici, donc c'est le moteur de regex en fait, qui a commencé à se wow, à s'enclencher. Et donc, là, il me dit, tiens, par rapport à ce que tu as rentré ici dans Regular Expression, donc j'ai rien trouvé. Ce qui est tout à fait normal, puisque je n'ai rien écrit. Salut, Jojo. Et donc, pour faire des recherches dans une regex, parce que ça reste le but, on va justement écrire d'une certaine manière. Alors, c'est pas Alors, pour rechercher dans une regex, alors, il y a plusieurs solutions, mais. En règle générale, juste écrire ce qu'on a besoin suffit. Alors, vous allez dire, ouais, mais dans ces cas-là, ça c'est pourquoi avoir fait tout un truc sur les regex, si on juste qu'on écrit ce qu'on a besoin, ça suffit. Ouais, mais sauf que ce qu'il faut voir, c'est que là, en fait, c'est imaginons toujours sur ma phrase, hein, voilà, donc voici ma phrase 1, 2, 3, Toto. 4, 5, 6, et puis des mots. Voilà. En fait, le truc, c'est sachant que dans ma phrase, 1, 2, 3 et 4, 5, 6 peuvent varier. Et là on fait comment? Bah, c'est ça le truc. C'est donc rechercher du texte dans une chaîne de caractères. OK? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est du texte qui varie. Et donc c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Donc du coup, en fait, donc là, le but du truc, c'est comment on va récupérer 1, 2, 3 et 4, 5, 6. Et bien justement, c'est là où je vais vous expliquer. Alors, le truc, c'est que, comme je l'ai dit,
on recherche dans du texte qui varie. Donc, en fait, on va mettre des variables dans notre recherche, dans notre chaîne de recherche. On va mettre des variables et le moteur de regex va s'appliquer tout seul pour essayer de nous trouver ce qui nous correspond le mieux. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Donc là, j'ai pris un plugin, mais vous avez aussi, par exemple, un que j'aime beaucoup aussi, qui explique très bien. On peut tester, c'est regex. Je crois que c'est lui. Ah, c'est lui. Lui, il est super bien. Il est super bien comme moteur. En plus, on peut choisir parce que chaque langage a son propre moteur de regex implémenté. Donc, du coup, sachant si on est sur un moteur particulier, c'est toujours utile de savoir où on est. Donc là, moi, je fais du Java, donc ça tombe très bien. Je vais cliquer sur Java. Et ça, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont rajouté parce qu'avant, il n'existait pas. Donc là, je suis plutôt satisfait, très content parce que enfin, on peut tester du Java. Ça fait plaisir. Donc, je reprends la phrase que j'avais notée. Voilà. En plus, vous verrez quatre fois mieux. Et en plus, c'est expliqué. Donc voilà. Mince, je me suis trompé. C'est pas ici. Ici, c'est là où on écrit la regex. Voilà. Là, c'est le résultat. Donc, comme je le disais, le truc, c'est qu'il faut rechercher. Donc là, c'est je veux chercher 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, le niveau 0 de la regex, c'est vraiment chercher des chiffres. C'est le truc le plus simple au monde, c'est chercher des chiffres. Et donc, pour ce faire, il y a une écriture toute bête. C'est les fameux crochets. Alors, on met des crochets comme un tableau de caractères. Et là-dedans, il suffit de dire... Qu'est-ce qu'on veut mettre? Alors, on pourrait mettre 1, 2, 3. Donc là, il nous dit, hey, voilà, tu mets 1, 2, 3, c'est bon, j'ai trouvé un seul truc qui vaut 1, 2, 3. Et puis là, vous voyez 1, 2 et 3. Match 1, match 2, match 3. Alors, est-ce que ça fait le taf complètement? Pas du tout. Parce qu'en fait, là, ce qu'il vous dit, c'est que j'ai trouvé 1, puis j'ai trouvé 2, puis j'ai trouvé 3. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est 123. C'est là la grosse différence. Donc, marquer juste crochet 1, 2, 3, ce n'est pas suffisant. Donc, le seul truc qu'il faut faire, justement, c'est... ce que je veux dire, c'est que là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est il faut mettre une plage. Et pour écrire une plage, c'est... C'est comme ça. Donc, on met le premier chiffre, un tiret, et un autre chiffre. Et comme généralement, les plages sont de 0 à 10, de 0 à 9, du coup, on met 0,9. Mais là, c'est toujours pareil. Alors, OK, merci. Mais sauf que cette fois, il nous trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, comme on peut le voir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il nous trouve 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, 6. Sauf que moi, je veux 123 et 456. Comment on fait? Et donc là, en fait, j'ai plus le terme, mais c'est les quantifieurs, je crois. Et en fait, ici, un petit plus, par exemple, donc là, le petit plus, en fait, ça veut dire 1 jusqu'à l'infini. Et en fait, ce genre de petits trucs, il faut les connaître par cœur quand on fait des regex. Et donc, en fait, il en existe trois. Il existe donc le plus. En fait, je vais les faire dans l'ordre. Étoile, c'est de 0 à infini. Vous avez le plus qui est égal à 1 à l'infini. Point d'interrogation qui veut dire 0 ou 1. Et je vous écris tout ça dans le chat hein, pour pas oublier. Donc voilà. Donc étoile 0 à l'infini, plus ça veut dire 1 à l'infini, et point d'interrogation, ça veut dire 0 ou 1. Normalement, s'il ne fait pas les belles indentations, c'est dommage. Donc voilà, donc ça c'est à connaître
Par cœur, quand on fait des regex, c'est le minimum syndical. Donc, j'en reviens ici. Donc voilà. Et là, par contre, en effet, je lui dis, trouve-moi au minimum un chiffre jusqu'à l'infini. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parcourir toute la phrase que j'ai notée. Et ensuite, il va me ressortir, ben voilà ce que j'ai trouvé. Et ça tombe très bien, c'est ce que je voulais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais sauf que c'est 123 et 456. Donc, jusque-là, c'est parfait. C'est exactement ce qui m'intéresse. Et c'est un petit peu pareil, en fait, pour les lettres. Alors là, par contre, pour les lettres, c'est un peu plus, je dirais pas complexe, mais ça peut être un peu plus tordu. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les lettres, il y a une différence entre... Enfin, c'est sensible à la casse. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la casse, hein, c'est les minuscules et majuscules, tout simplement. Donc, écrire... Justement, je vais écrire là. Écrire AZ. Justement, tiens, on va mettre un magnifique toto. Comme ça, on va faire AZ et... AZ, ce n'est pas la même chose, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai marqué les majuscules, il m'a trouvé que le T majuscule de Toto, parce que c'est la seule majuscule. Par contre, quand je lui avais dit le reste, donc petit A, petit Z, là, par contre, il m'avait trouvé absolument tout le reste. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus basique qui soit sur, sur les regex. Donc déjà, rien qu'avec ça, on peut faire déjà pas mal de trucs. Voilà, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Donc ça nous permet de trouver des mots et tout ça. Alors, c'est pour ça que je vais vous faire l'exemple après. Mais parce que là, en fait, ce qu'on peut voir, enfin, ce qu'il faut savoir pour la suite surtout, c'est que juste écrire ça comme ça, alors certes, il va nous relever les mots, mais c'est pas. Mais on pourra juste. Comment dire, juste faire des comparaisons avec, enfin, on dirait c'est le but, mais en fait il y a des trucs qui sont beaucoup, beaucoup plus poussés. Typiquement, là c'est juste pour faire. Donc j'ai dit du test, mais c'est plus vraiment de la recherche. C'est du genre, est-ce que, là, en fait, le fait d'écrire ça, c'est plutôt, est-ce que mon texte contient telle ou telle chose? Donc la réponse est oui ou non. Alors que justement, l'étape d'après, c'est... de faire voir comment on peut utiliser ça et le réinjecter ailleurs. Mais ça, ça viendra un petit peu, un tout petit peu plus tard dans la vidéo. Revenons à nos moutons. Le truc, c'est qu'on peut mixer aussi. Donc là, j'ai mis petit a petit z. Et on peut mixer, justement. C'est ça qui est cool. C'est qu'on peut faire AZ, AZ. Et là, il nous trouve absolument tout. Parce que là, on lui dit, trouve-moi tous les mots qui sont écrits en minuscules et majuscules. Donc ça tombe bien, il les a tous trouvés, sauf les chiffres, parce que je lui dis, je ne veux pas de chiffres. Et si, bien entendu, je peux lui rajouter, si j'ai envie, 0,9, bah alors là, il me trouve toute la phrase. Pas de souci. Et bien sûr, vous n'êtes pas limité. Il faut bien savoir qu'on n'est pas limité à l'intérieur des crochets. Hein. On peut rajouter des trucs spéciaux. On peut lui dire... j'ai pas vraiment d'exemple, mais enfin voilà, si on veut des et, enfin pardon, si on veut des et, enfin pardon, des points d'exclamation, je vais y arriver, des dièses, des machins, on peut, hein, trouve-moi ces trucs-là, il n'y a vraiment aucun problème. C'est juste qu'il y a des caractères dits réservés. Justement, le point d'interrogation est réservé, le point, quand je dis le point, c'est, on ne le voit pas très bien, mais quand je dis le point, c'est ça, c'est réservé, donc le point, quoi. Le point est réservé. Parce que pareil, le point, c'est extrêmement important. Voilà, tout ça. Mais si on en a besoin, parce que dans une phrase, on cherche quelque chose de très précis, avec un point, il faut ce qu'on appelle escaper. On escape donc le caractère. Et donc, pour escaper, en fait, c'est tout simple. C'est simplement le fameux anti-slash. Et là, je mets point, voilà. Donc là, j'escape le point. Et si je mets point à la fin, voilà. Ben là, il me trouve. Et là, il me trouve le point, alors que tout à l'heure, s'il n'était pas, ben, il ne me le mettait pas, quoi, tout simplement. Hop. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, je lui demande pas de point, parce qu'il n'y a pas de point. Il existe
des raccourcis. Alors moi, personnellement, je ne les connais pas, je préfère tout noter, mais il existe des raccourcis. Donc là, je suis sur le moteur, là, je suis sur le... Zut. Pff, je suis sur quoi en plus? Donc là, je suis sur le moteur Java, mais c'est... Java Pattern, là, je suis sur le moteur Java, mais ça marche pour tous les... Comment dire? Ça marche pour absolument tous les... Quasiment pour tous les moteurs, hein. On est tous quasiment d'accord. Oui, j'accepte, c'est pas grave. Voilà, et en fait, ma Bible personnelle, c'est ça, en fait, c'est cette page-là. Et ça explique tous les comment on écrit en fait toutes les règles exp. Donc là, on peut me dire, oui, mais Michael, t'es mignon, mais pourquoi tu nous fais chier à faire un cours si on a juste une doc à lire? Ouais, mais non, en fait, c'est juste imbuvable. Quand on connaît pas, c'est. Enfin, c'est juste imbuvable et il faut le savoir. Flask, pipeline, GitLab, est-ce que j'ai frappé à la bonne porte? Pas du tout. Pas du tout, je ne fais pas de Flask, je ne fais pas de pipeline. Je ne suis pas DevOps, monsieur. Je suis désolé. Désolé. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je lis un chouïa mieux, désolé. Ouais, désolé. Alors, voilà, c'est exactement ce que je disais. Donc, les classes de caractères au début, hein, donc ABC, donc voilà, donc entre crochets ABC, donc c'est exactement donc, ce qui se passait au début. Hein, donc, il nous ressortait A, puis B, puis C. Et après, vous avez des trucs un peu spéciaux, c'est le chapeau qui dit je ne veux pas. Je ne veux pas. Donc le fameux AZAZ qu'on a vu à l'instant. Oh là là, je ne savais même plus qu'on pouvait faire ça, des recherches dans des recherches. Voilà. Et en fait, voilà les fameux raccourcis. Ils sont juste là, voilà. C'est anti-slash quelque chose. Au lieu d'écrire 0,9, on met anti-slash D. Voilà. On sait que c'est un digit. Donc c'est un chiffre qu'on recherche. Et anti-slash grand D, ben ce n'est pas un chiffre qu'on cherche. Voilà. Et tout est à base de je cherche ça ou je ne cherche pas ça. Et c'est un. Faut vraiment réfléchir pour comprendre, en fait. C'est des fois, c'est assez complexe. Et aussi, pareil, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espaces, les entrées, si on regarde la table ASCII que j'avais expliquée la dernière fois, donc, ce sont des caractères non imprimables. Ce sont des caractères dits non imprimables. Et donc, c'est ce qu'on appelle les white space caractères. Et en fait, justement, on a une classe exprès pour ça, c'est anti-slash s. Enfin, pareil, c'est toujours pareil en Java. En Java, mais c'est voilà, a white space caractère. Donc, anti-slash t, c'est les tabs. Anti-slash n, c'est les entrées, donc les retours à la ligne. X08, je ne sais pas ce que c'est. F, je sais plus ce que c'est. Et R, c'est pareil, c'est comme les retours à la ligne, mais c'est propre généralement à Windows. Voilà. Et donc, du coup, il y a plein de trucs comme ça où on peut écrire potentiellement des raccourcis. Donc voilà, donc ça c'est un peu la Bible à connaître par cœur, et vous allez voir après, il y a des trucs vachement sympas. Il y a des trucs vachement sympas, du genre voilà, les fameux greedy quantifiers. Alors je ne vais pas faire la différence entre les trois parce que c'est super complexe. On va juste parler du premier qui est du niveau 0. Voilà, donc comme je l'ai dit, donc comme je vous avais marqué donc dans le. Dans le chat, je vais y arriver. Donc, point d'interrogation, c'est 0 ou pas 0 ou 1. Étoile, c'est 0 à l'infini, plus c'est 1 à l'infini. Voilà. Et il y a un truc que j'ai pas dit, mais que j'allais introduire, c'était les accolades. C'est exactement n fois. Voilà, ça veut dire que je recherche genre mon x 3 fois, pas plus ni moins. Après, il y a x fois au minimum et une intervalle. L'intervalle, je recherche des chiffres, enfin pas des chiffres, mais je recherche une suite de chiffres de, je sais pas, entre 3 et 6. 3 et 6 inclus. Là, en l'occurrence, n n'est pas inclus. Ou autant. But not more times than. Voilà, ok. Oui, c'est ça. Entre n et m inclus. Voilà.
Je ne vais pas aller plus loin parce que si vous voulez lire et si vous voulez comprendre, il n'y a pas de souci, allez-y, mais c'est un casse-tête. C'est un vrai casse-tête. Là, on est juste au niveau 1, voire 0 de la règle. C'est le niveau tranquille. Donc déjà là, on a vu déjà pas mal de trucs. Alors, on a déjà vu pas mal de trucs. Déjà, rien qu'avec ça, pour faire des tests, on s'en sort très bien. Pas de souci. Le seul truc que j'ai pas dit, c'est le point. Le point, en fait. Qu'est-ce que le point? En fait, le point tel quel, ça veut dire n'importe quoi. En fait, point, ça veut juste dire n'importe quoi. Ça peut être un chiffre, ça peut être une lettre, ça peut être justement, comme on a vu, un caractère non imprimable, etc., etc. Donc, voilà. Et justement, on peut faire exactement comme on a vu. Je veux, voilà. Point étoile. Donc là, enfin, comment dire? Excusez-moi. On peut faire les associations, voilà, avec les fameux greedy quantifieurs. Voilà. Donc point étoile, c'est cherche-moi en gros toute la phrase. D'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Hein. Voilà. Match 1, toute la phrase. Match-moi tout. Et il y arrive très bien. Après, si je lui dis simplement, voilà, match-moi, comme ça revient exactement au même. Enfin, là, ça plante. Je sais pas pourquoi ça plante. D'accord, il a trouvé que le point. Bon, là, je pense que c'est lui qui plante, mais c'est pas très grave. Mais ce qu'il faut savoir, c'est des fois, enfin vous allez beaucoup voir ça aussi, c'est point étoile. Donc enfin, on vient de voir, mais c'est point étoile. Voilà, donc ça on le voit beaucoup dans une chaîne, dans une regex, je vais y arriver. On le voit beaucoup dans une regex. Et bah, voilà, après en fait on fait des recherches comme ça. Et puis voilà, donc là on a déjà vu donc le niveau 10-0, qui sont vraiment de la recherche simple et basique. Donc ce qui fait que c'est pareil, si vous avez genre, j'écris n'importe quoi, mais 2021-03-29, ah, j'ai fait un entrée, alors, je voulais pas d'entrée. Et en plus je sais pas écrire. Voilà, 2021-03-29, et ben, faire une recherche là-dedans de chiffres, enfin donc de dates, vous avez plusieurs possibilités, mais la plus simple, ça reste 09, ça reste 09, et comme on a vu, vous pouvez mettre 4 tiret 09. 09 2 tiret et la même chose. Et là, il vous ressort la date. Là-dedans, voici ma phrase. Ta, 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 ta. Et donc, c'est là qu'on commence à avoir le potentiel de la chose en disant, ah oui, d'accord, dans une phrase, si je veux rechercher une date, par exemple, ben voilà. Typiquement, c'est un exemple parfait. Si je veux rechercher une date, boum, voilà. Et là, il trouve bien ma date. Et donc, comme vous voyez, la date peut potentiellement varié, il va toujours me trouver une date de ce format-là. Je peux mettre n'importe quoi, tant que c'est des chiffres, il va me le trouver. Donc hein, il n'est pas là par contre pour faire des tests en disant est-ce que la date elle est bonne, ça c'est pas son problème. Lui, on lui dit trouve-moi un format de texte de telle manière, il le trouve ou pas. Et en l'occurrence, il le trouve. Fin de l'histoire. Donc voilà. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Parce que déjà, le fait d'avoir vu tout ça, on a déjà vu un petit peu donc le. On a même vu complètement le niveau 0 de la recherche. Maintenant, on va passer à l'étape au-dessus, qui est comment réutiliser ça. Parce que comme je l'ai dit, là, c'est juste pour faire du test. C'est est-ce que j'ai une date dans ma chaîne de caractères, dans ma string. La réponse est oui, parce que j'ai bien une date, puisqu'elle est là, 2021-3-29. Mais je ne peux rien en faire. Et ça, c'est dommage. Et donc, c'est là que rentrent en jeu les groupes.
C'est ce qu'on appelle les groupes. Voilà. Les groupes. C'est quoi un groupe? Eh bien, en fait, un groupe, c'est, comme son nom l'indique, en fait, c'est en capture, en fait. C'est même, le terme exact, c'est capturer un groupe. On met des parenthèses, il ne peut pas s'échapper. Et là, par contre, le groupe fait que, non seulement on lui dit de rechercher donc une date, enfin là en l'occurrence c'est une date, hein, mais recherchons une date dans ma string, et bien avec la capture du groupe, en fait, on va mettre ça en mémoire, en fait. On va mettre la date en mémoire, et comme ça, on va pouvoir la réutiliser quelque part. Généralement, on fait ça dans le code. Mais voilà, on peut la réutiliser donc quelque part. Typiquement, donc là, par contre, je vais avoir besoin de mon IDE. Je remets ça. Tu es où? Ah, le chagrinage. Voilà. Donc, hop, je remets la super phrase. Il y a un coup de... Je suis... Il y a un coup de... De boost le PC, là. Voilà. Et donc, la régulière expression... Ouf. Donc, ça revient exactement au même, hein, que le site sur le site. Mais sauf qu'en fait, voilà. Et c'est là que, justement... Mince. C'est là que ce que je voulais expliquer tout à l'heure va rentrer en scène. Le match, le to looking at, le find. Donc là, pour le coup, c'est propre à Java, mais la finalité reste pareille pour les autres langages. Donc match, comme son nom l'indique, c'est est-ce que c'est exactement ça? Ben, la réponse est non, parce qu'en fait, on a encore du texte sur les à côté. Donc faire, en fait, c'est un match. C'est un match exact, voilà, exact. Donc, si on voulait être vraiment exact, il faudrait enrober ce résultat-là, en fait. Il faudrait l'enrober pour qu'il prenne en compte tout le reste de la phrase. Mais bon, après, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout trouver. Alors, looking at, je sais pas trop ce que c'est. Les replace, ça, c'est propre à Java, mais c'est pareil dans les langages. C'est si on fait une... Voilà. Voilà, très bien. Je vais faire exprès. Voilà, QWERTY. Parce que je suis en premier QWERTY, c'est pour ça. Voilà. Donc, du coup... Donc là, on peut voir dans le replay, c'est justement qui remplace la chaîne de caractères par ce que j'ai remplacé. Bah, c'est si bête que ça. Mais ça prouve que voilà, c'est super puissant quand on veut remplacer une ou plusieurs choses en même temps. C'est vachement bien. Donc voilà. Mais moi, surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout le find. Il n'a pas compris que la phrase n'était plus là, mais c'est pas... Donc voilà, ce qui nous intéresse, nous, c'est le find, parce que c'est généralement ce qu'on va utiliser dans la programmation, c'est est-ce que tu trouves, et justement trouver pour capturer. Parce que c'est ce qu'on utilise tout simplement le plus, enfin moi en tout cas, c'est ce que j'utilise le plus. Donc hop, je récupère ma phrase, que je mets ici. Pourquoi j'ai pas pris ma souris? Je suis au vieux trackpad, je suis sur un ordi portable, au vieux trackpad, c'est chiant. Donc je baisse un petit peu tout ça, parce que maintenant qu'on a vu. Alors en Java, pour écrire donc une regexp, enfin pour pouvoir utiliser une regexp, on a la classe, pardon, pattern, ça s'écrit comme ça, hein. Je rentre pas trop dans les détails, mais c'est comme ça. Ma phrase. Pouf, pouf. Ah mince, j'ai oublié les. Voilà, j'ai oublié ça.
Voilà. Donc on lui donne, si je ne dis pas de bêtises, la regexp. C'est ça. On lui donne la regexp. Et ensuite, on va lui donner justement la chaîne de caractères, mais avant. Point égal. Parce que j'avais oublié de le noter. Voilà. Ok. Ça. J'ai écrit. Je sais pas si vous me l'envoyez ou pas. C'est pas grave. J'espère que vous l'avez en tout cas. Je repris. Ah, ça doit être un mot-clé à tous les coups. Voilà, et ensuite, point égal n'importe quel caractère. Voilà. Point égal n'importe quel caractère. C'est juste des rappels. Donc là, donc j'ai mon pattern. Ensuite, le pattern. On va donc l'utiliser. Et... Oh, j'ai du mal à lire. Tellement écrit petit. Matcher. Voilà, il est là. Matcher. Matcher. Donc ma phrase, tout à fait. Donc on a un Java qui nous renvoie un matcher. Oui, je t'importe. Ensuite, matcher. Normalement, c'est fine qui renvoie un boolean. Voilà. Et là, en fait, c'est là le truc. Bon, après, là, c'est pareil, c'est toujours propre à Java, mais il faut retourner le find d'un while parce que, justement, si vous avez un très grand texte, en fait, il va le chercher en plusieurs fois. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, il s'arrête dès qu'il a trouvé la première occurrence. Donc, dès qu'il trouve la première occurrence, on va dans le while et ensuite, une fois qu'on a fini le traitement, on reprend et il recherche notre occurrence. Donc toujours un pour find d'un while. Et ensuite, alors, si je dis pas de bêtises, c'est groupe. Voilà. Group count. Voilà. Parce qu'on peut capturer plusieurs groupes. Parce que là, dans mon exemple, j'ai mis qu'un seul groupe, mais on peut en capturer plusieurs. C'est comme vous voulez. Donc là. Pareil, techniquement, il y a 0, virgule, j'écris pas de bêtises, point, plus, hop, formate un petit peu. Ensuite, pouf, maths, point. Groupe de i. Voilà, alors je sais plus, mais je crois que ça commence à 1. Bon, on va, de toute façon, on va vite le voir. Mais system out println, c'est écris-moi dans la console. Écris-moi dans la console ce que tu trouves, tout simplement. Je vais virer tout ce qui est avant, comme ça au moins, on va pas être perturbé par tout ça. Et là, normalement, ça va écrire en bas. Juste ça. Et là. Oui. Voilà, exactement. Et là, il nous a trouvé. Alors, en fait, il nous a. Et là, comme on peut le voir, hein, il nous a trouvé, en effet, donc notre chaîne. Enfin, notre date. Et après, de cette date-là, on peut en créer un objet date. Et puis ensuite, faire ce qu'on a envie de faire. Voilà. Dans l'absolu, c'est aussi simple que ça. Et là, on a vu toute l'étendue en fait, des possibilités de base, mais toute l'étendue des possibilités des regexp. Voilà. Dans l'absolu, je pourrais vous dire, ça y est, c'est fini, ciao. Mais bon, comme je ne suis pas chien, je vais vous faire voir ce que ça donne quand même sur JavaScript, parce que sur JavaScript, c'est là, pour une fois, JavaScript est beaucoup plus puissant niveau regexp que Java. Donc là, Java, c'est un peu le parent pauvre, en fait, parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que on peut rechercher des redondances, en fait. Ça veut dire que on peut dire en regexp, cherche-moi x fois, enfin pas x fois, mais recherche-moi à l'infini
le même pattern en fait, le même truc. Donc on pourrait lui dire, tiens, recherche-moi je veux dire toutes les dates, recherche-moi toutes les dates dans mon document. Voilà. Donc oui, enfin, oh, oui, je m'exprime un peu mal parce que le fait de faire ça avec le matfind, il va le faire au fur et à mesure. Mais ce que je veux dire, c'est quand on n'a qu'une seule phrase en fait et qu'on recherche vraiment des trucs redondants, très précis, on peut. JavaScript, on peut, il n'y a pas de problème, ça marche du premier coup. Quand Java, c'est beaucoup plus compliqué à faire. La syntaxe reste la même, mais c'est plus compliqué à mettre en place. Voilà. Mais bon, donc on a vu Java. Et donc là maintenant, on va regarder justement en JavaScript, qu'est-ce que ça donne. Donc là, pareil, hein, tout ça, tout ce qui est le code ici, donc me ramène. Comment ça s'appelle, me ramène aux anciens Twitch. Donc n'hésitez surtout pas à y jeter un œil. Et pour rappel, hein, ne regardez pas la webcam, elle est juste dégueulasse. Voilà. Écoutez ma voix, le son de ma voix, et laissez-vous guider par ce qui est écrit à l'écran. Voilà. Alors, oui, function. Marie-Gex, par exemple. Même constat, enfin même constat, non pas trop, mais même principe on va dire. Donc là en JavaScript, c'est une autre façon d'écrire. Et en fait, là c'est le problème de JavaScript, c'est qu'il y a trois façons d'écrire une regex, mais je vous en fais voir que deux, qui sont les meilleures en fait tout simplement. Reg1. Est égal à donc la manière la officielle mais à l'ancienne qui est regexp. Voilà. Regexp. Et donc du coup là-dedans je vais remettre ma petite regexp. Ouais, c'est bon. Ouf. Pour utiliser les regexp, c'est un peu pareil. Enfin, point, et en fait, c'est exécute. Enfin, c'est exec, pardon. C'est exec. Et ici, on lui met justement la phrase. Pardon. C'est où phrase? T'es là. Check, check, boum, voilà. Et comme on l'a vu, peut-être rapidement, mais comme par hasard, il ne veut plus. Comme par hasard, il ne veut plus me le mettre. Zut. Il ne veut plus me le mettre. Mais il nous disait qu'en fait, que ça renvoie un tableau. Var. Res. Égal. Et. Seul log de res et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, ma regex, bien entendu. Il y a plein de trucs. Bref. Il y aura plein de trucs, c'est pas très grave. Mais... ma regex. Du coup. Il a. Hop. Je l'avais déjà préparé. Un petit coup d'F12. Un petit coup de console. F5. Pardon. Voilà. Console, lecture, ça fait partie des anciens. Comment ça, regex, is not defined. J'ai oublié un P à tous les coups. J'ai oublié un P. Ouais, bingo. C'est regex.
cette fois. Pour moi. Chrome, machin, F5. Boum. Voilà. Et là, on voit bien ce qu'il nous dit. Voilà, j'ai trouvé tout ça. Voilà. Alors, honnêtement, je ne sais plus qui, quoi que, dont où. Hein. Mais. Voilà. Je vois ce que je fais. Donc, 0, 1. Donc, ça, c'est ce qu'il trouve. Les groupes, bon, l'index, peu importe, c'est l'index où se trouve le. La phrase, bon, l'input, bah, c'est voilà, bah, c'est input. Hein. Mais alors 0, 1, je ne sais pas trop la différence entre les deux, mais je pense qu'il y en a un qui doit être justement le fameux test et l'autre qui est le fameux groupe. Mais techniquement, j'ai mis un groupe. Donc c'est bizarre. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il me. Et pourtant, j'ai bien mis le groupe, donc je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Si je fais simplement règle de 0, bon, ben voilà, enfin, vous avez compris. Hein. Ici, voilà, règle de 0, F5, voilà. Ben, du coup, il me trouve bien la date. Donc ça, c'est la première façon de l'écrire. Et la deuxième façon, qui est exactement la même. Hop, c'est tout. C'est exactement pareil. Enfin, je veux dire, le reste est pareil. C'est règle 2. En fait, on met entre slash. Alors, on a l'impression que c'est commentaire, mais en fait, pas du tout. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Point virgule. Et voilà, encore un autre truc pour JavaScript qui m'énerve. Ce qu'on met entre slash, slash devient automatiquement regexp. Voilà tout simplement, et donc là il suffit, et là si je mets tout simplement reg 2, ça va faire exactement pareil. Voilà, il n'y a pas de. Enfin, je tiens juste à préciser qu'il a bien pris en compte, hein. Voilà, là, reg 2, voilà, que je ne triche pas, voilà, tout simplement, et var reg 2 exec. Voilà, c'est une autre façon d'écrire, celle-là vous la trouverez souvent. Et pourquoi slash slash? C'est parce qu'en fait, ça vient du PHP à la base. C'est PHP. Enfin. Pour l'histoire, les expressions régulières, en fait, ça vient d'un langage qui s'appelle Perl, qui est quasiment plus utilisé maintenant, qui est très vieux. Mais c'est lui qui a amené justement cette puissance des regexp. Et tout le monde l'a copié. Et le truc, c'est que je ne sais plus si les slash c'était propre à Perl, ou si slash est. Enfin, Perl, pardon, ou si c'est propre à PHP, je ne sais plus. Mais mes souvenirs étant plus frais de PHP, donc c'est pour ça que je dis PHP, mais donc, avec des pincettes, mais voilà, c'est à vérifier. Mais voilà, donc à la base, Perl, c'était un moteur de regex, enfin, j'exagère, hein. Il était vraiment développé pour ça. Et ça fait une grosse révolution, en fait, dans le monde de la programmation. Ça fait une très, très grosse révolution. Et après, tout le monde l'a repris, ce moteur, et il l'a fait à sa sauce. Mais voilà. Du coup. Mais du coup, voilà. Et en fait, quand vous voyez slash slash, donc ça fait référence, donc soit, donc, comme je l'ai dit, au PHP ou au Perl. Et voilà, parce que si on revient sur. Mon regexp machin. Si je prends PHP, ben vous voyez, voilà, vous avez les slash en fait. C'est entre slash et slash, on les voit pas forcément très très bien, mais en fait là je prends Java 8, donc c'est entre des grosses guillemets. Salut, tout à l'heure. T'arrives sur la fin. Et ici il est regexp. Si, mais c'est niveau 1 et niveau 0, donc t'inquiète pas. Mais j'avoue, enfin, je sais pas si tu dis hello, c'est que tu viens d'arriver, mais là, on est quasiment fini, en fait. C'est dommage. Mais voilà, donc en Golang, bah, là, c'est les backcodes. En Python, bah, c'est un string. En JavaScript, bah, voilà, comme on le voit, c'est les slash. PHP, c'est les slash. Et voilà. Donc chacun, hein, replay sera là. Yeah. Le replay sera là, exactement.
Donc voilà, donc chaque langage a son petit truc pour instancier sa regex. Mais voilà, mais à la base, donc c'est comme on l'a vu, c'était un string. Après les slash sont arrivés. Voilà. Personnellement, les deux ne me dérangent pas. Hein. Moi, que je vois l'ancienne version ou la nouvelle, franchement, c'est pas très très grave, on va dire. Voilà. Et bah voilà. Dans l'absolu, maintenant, vous savez tout sur la regex, au moins les grosses bases. Les très grosses bases, moi, vous pouvez rechercher des trucs dans du texte. Voilà. Vous pouvez rechercher des trucs dans du texte, va dire facilement, enfin du moins les trucs faciles à rechercher. Voilà. Tout simplement, donc, comme on a vu. Et puis bah, c'est marre, quoi. Et c'est vraiment dommage, t'arrives vraiment sur la fin. Bah, voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ben, pas grand-chose, hein, parce que c'est surtout si vous voulez approfondir, donc comme je disais, hein, le truc de base, si vous voulez approfondir, ben, c'est comme enfin, je vous le remets, hein, mais c'est un très très bon pense-bête en fait. Ouais, c'est ce qu'on appelle en pense-bête. Et c'est la classe pattern de Java. Ça, voilà. Il y a les 99% des trucs sont identiques à tous les autres langages. Donc voilà, ça fait un très bon aide-mémoire, sauf pour les trucs genre voilà, les POSIX caractères, ben ça par contre c'est propre au moteur Java. Mais ça, en règle générale, par contre, ceux-là, les prédéfinis de caractère classe, généralement tout le monde est plutôt d'accord. Mais voilà. Mais voilà quoi. Après, c'est chacun a son petit truc, chacun a son machin. Enfin, bref. Et un truc aussi que j'ai pas parlé, toujours au niveau basique, c'est ces deux trucs-là, au tout début. Alors aussi, pareil, et là ils ont été relous dans les regex, c'est que je vais dire accordéon. L'accent circonflexe, en fait, peut avoir plusieurs lectures. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ici c'est tout sauf ABC, puisque là il prend la fonction du nom, donc on inverse ce qu'on recherche, mais là en Boundary Matcher, c'est Beginning of the Line. Alors, vous allez dire, mais attends, mais je comprends plus rien. Mais en fait, c'est tout simple. Et puis et le dollar, c'est the end of the line. En fait, le truc, c'est que ben, vous voyez les slash là, les deux slash, ben, ça veut dire début et fin de phrase. Mais sauf que si je veux être un tout petit peu plus précis, je peux dire par exemple, je recherche la date au début de ma phrase. Voilà, si je fais ça, et ben là typiquement, il va, enfin là, si j'exécute, il va rien me trouver parce que il va chercher ça. Donc il va chercher une date en fait là au niveau du voici. Donc là, il ne va pas trouver de date. Il va rien trouver. Ben, voilà. Donc je vous l'ai dit, je vous l'ai spoilé, mais si je fais l'exemple jusqu'au bout. Hop. Ah mince, j'ai fait une petite bêtise. Pourquoi? On ne veut pas. 0 off nul. Bah oui, bon, ben, voilà. Ça a le mérite d'être clair, parce qu'il a planté. Bah ben, oui, voilà. 0 off nul, donc il ne l'a vraiment pas trouvé. Ah, il l'a pas trouvé, donc il dit je comprends pas. Voilà. Voilà. Et pareil donc pour le dollar, ben, le dollar, donc comme on vient de voir. Non, c'est. Je suis fatigué. 6, 7. Merde, le dollar, t'es où? Voilà, t'es là. Excusez-moi. C'est le 4, voilà. J'ai tous essayé sauf le 4. Donc voilà. Donc, en fait, voilà, si j'écris ça comme ça, donc ça veut dire le chapeau, enfin, circonflexe au début et dollar à la fin. Donc là, c'est clair que ma phrase, il ne le trouve pas. En plus, on l'a vu tout à l'heure. Mais par contre, si j'écris que ça, si j'écris par contre vraiment que ça, là, il va me dire, hey, il n'y a pas de problème. Voilà, si j'écris que ça, il n'y aura pas de souci.
Hop, je mets en commentaire ça, machin. Voilà quoi. Top 5. Chapeau de l'art, terminé. Ah oui, pardon. Parce que j'ai bouffé une. Parce que comme c'est ça que je recherche, j'ai bouffé une accolade. Voilà. Et donc là, il me retrouve bien ce que j'ai cherché. Voilà. Donc c'est ça les Bundari. Les Bundari match. Voilà. Bundari, c'est frontière. Hein, donc frontière du début, frontière de fin. Voilà. Si j'avais une idée. Mince, qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Ah oui, des astuces. Des astuces vachement pratiques. Je vais prendre mon notepad plus là pour le coup. Mais normalement, c'est valable. C'est valable partout. Des fois, il arrive qu'on doit rechercher, on doit, comment dire, on doit faire des... On doit changer plusieurs lignes. Typiquement, voilà, je vais faire 1-1. Et hop, bleu, 1-2-2, bleu, 3-3, bleu, voilà. Et en fait, le but, c'est de changer les 1-2-2-3-3, c'est un exemple, hein, de changer les 1-1-2-2-3-3 par quelque chose de très précis, genre retour à la ligne, par exemple. Je sais pas si il pourra le faire, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Et en fait... Non, mais c'est valable pour n'importe quel éditeur de texte, normalement, qui est capable de comprendre les regex. Hop, tu viens là. Voilà. Rechercher, remplacer. Parce que voilà, justement, dans Notepad++, il y a un truc qui s'appelle expression régulière. Hop. En fait, je veux une expression régulière. Et en fait, donc là, comme je le disais, ce que je veux, c'est juste remplacer les 1, 2, 2, 3, 3 par autre chose. Mais au lieu de le faire à la main, en fait, justement, le truc de regexp est là. Mais sauf que là, on va voir comment ça fonctionne, enfin, comment l'utiliser plutôt. Comment ça fonctionne. Donc là, comme on a dit, je veux changer mes chiffres. Donc maintenant, on sait comment on écrit, donc je recherche des chiffres. Je recherche plusieurs chiffres. Et je remplace par quoi? Donc, justement, avant de dire je remplace par, je capture mes groupes. Voilà. Ce que je désire, voilà, donc il va tous les chiffres qu'il va rencontrer, il va les mettre en mémoire. Enfin, pardon, les groupes qu'il va rencontrer, il va les mettre en mémoire. Et après, on peut les réappeler. C'est ça aussi qui est important, on peut les réappeler. On peut avoir jusqu'à 9 groupes. Et donc, justement, et pour les appeler, c'est de l'art 1. Voilà. Donc, justement, tiens. Bonne idée. Voilà, on va faire, excusez-moi, on va plutôt faire l'inverse. Voilà. Donc, point étoile, c'est n'importe quoi. Point étoile, c'est n'importe quoi. Donc, c'est tout ce qui est entre mes chiffres, qui existe ou non. D'ailleurs, je ne devrais même pas mettre d'espace, hein, puisque là, on ne sait jamais. Donc, en fait, vous allez tout me remplacer par... Et ici je vais mettre diop, voilà, et les trois phrases qui vont venir ici, ça va être qwert 1-1 diop, qwert 2-2 diop, qwert 3 diop, si je dis pas de bêtises. Alors remplacer, voilà. Ah mince, 0,9 plus, il m'a pas pris le plus, je sais pas pourquoi, je me suis gouré quelque part. J'avais bien mis plus, donc au moins 1, bizarre. Ouais, j'ai dû rater un truc, c'est bizarre ça, j'ai dû faire une erreur, j'arrive pas à lire. Nanana, 0,9 étoile point, ouais c'est bizarre, normalement il aurait dû le trouver. Ouais, bon, chelou, c'est ça. Pourquoi t'es pas content? Je t'ai dit tu me trouves tout. Ouais, c'est bizarre.
Ouais, c'est chelou ça. C'est bizarre, pourquoi il m'a mis un 2-3 et pas un 2-2-3-3? Ouais, bah là j'avoue, je comprends pas. D'habitude, ça marche du premier coup. Il respecte vraiment le truc. Là, c'est bizarre qu'il n'ait pas respecté. C'est peut-être le point étoile qu'il aime pas. Ça peut être ce point étoile. Enfin bon. Mais vous avez compris. C'est vraiment bizarre. Il faudrait que je regarde pourquoi. Mais voilà, du coup, pour faire des recherches donc dans. Hop. Donc pour faire des recherches dans un texte, donc comme on a vu, hein, c'est super pratique, c'est super rapide. Donc voilà. Et bien maintenant, vous savez tout sur les regexp, au moins en mode. Au moins le mode facile qui permet au moins de commencer à se débrouiller sur deux trois trucs. Voilà. Et donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, c'est maintenant, bien que dans l'absolu, les questions arrivent au fur et à mesure, mais si vous avez des questions, ben, voilà, c'est maintenant. Parce que c'est important. Voilà. Eh ben non, personne ne pose de questions. Et ben voilà, ben sur ce, le stream est fini. Ben sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Comme je l'ai dit, je ne sais pas sur quoi ça va être. Si je n'ai pas d'idée ou de sujet, de toute façon, je vous ferai signe. Il y a une toute petite vidéo. De toute façon, si vous voyez une vidéo sur la chaîne qui dure quelques secondes, c'est généralement pour dire qu'il n'y aura rien du tout. Voilà. Donc sur ce, normalement, je vous dis à la semaine prochaine. Et sur ce, passez une très bonne soirée. Ciao, ciao!